Coucou les Wonders, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va s'ouvrir, une fois n'est pas coutume, des petits boosters et cette fois ce sont des boosters Funko, ce sont des Pocket Pop, donc ce sont des porte-clés Mystery, on s'ouvre ça tout de suite. Alors voici, du coup là je tiens ma caméra donc ça va bouger un peu. C'est pour vous montrer de plus près en fait les petits boosters et surtout ce qu'on peut avoir. Donc je vais essayer d'en trouver un sans l'étiquette arrachée, sans l'étiquette sur les personnages, ce serait mieux. J'ai enlevé un petit peu l'étiquette pour que vous puissiez voir. Donc du coup on peut avoir la fée Clochette, Belle, Ariel, Pocahontas, Maléfique, Stitch, Ève, Wally, Max, le chat de Cheshire, Sally et Jack. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus près. Voilà. Donc, moi, mes must-have, enfin, ceux que je veux pas trop avoir, je dirais les quatre premiers ne m'intéressent pas plus que ça. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup le dessin animé avec Belle. J'aime beaucoup aussi les personnages Ariel, Pocahontas. Par contre, la fée Clochette, moins. Mais c'est vrai que si jamais je les ai pas, ça va pas me contrarier plus que ça. J'aimerais bien avoir Maléfique parce que c'est une méchante que j'aime bien, mais bon, sans plus. J'aimerais beaucoup avoir Stitch, Ève, Wally, Baymax, le chat de Cheshire. Sally, j'aimerais bien, mais si jamais j'ai Jack et pas Sally, ça me dérangera pas du tout. Donc voilà. Donc du coup, c'est parti, on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors j'avoue que je me galère un peu pour ouvrir mes petits boosters parce qu'en fait tout simplement ma fille a cassé le trépied. Donc du coup je me retrouve à devoir filmer comme ça. Le plus simple ça aurait été de filmer en face de moi mais du coup vous voyez moins bien les personnages je trouve. Donc on va se débrouiller comme ça. Donc c'est parti. Ah ouais, si jamais ils mettent les autocollants, c'est vraiment, ils sont pas futés quoi. C'est bien, ils veulent pas qu'on leur vole mais... Alors, on va l'ouvrir comme ça. Donc déjà, on a le porte-clés et on a la petite Ève. Donc je suis trop contente parce que c'était un de ceux que je voulais avoir. Est-ce qu'il y a un petit flyer, il n'y a rien dedans. Donc elle se présente comme ceci avec son petit porte-clés. Elle est vraiment très jolie avec le petit détail là de la plante. Voilà, donc Disney, Funko. Voilà pour la première, donc trop contente déjà. On commence bien, on commence par un que je voulais avoir, donc on continue. Il faut savoir que j'ai 6 boosters à ouvrir en tout, mais du coup là j'en ai que 3 aujourd'hui à vous ouvrir. Et les 3 autres ce sera pour une prochaine ouverture. Alors c'est parti. Ah oui! Jack! Ah je suis trop contente. Là je suis vraiment trop contente. On a le petit Jack qui se présente comme ceci. Ah, il est chouette, hein, vraiment. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, deux que je voulais avoir. Vraiment, je suis trop contente. J'espère que vous le voyez bien, que ça ne fait pas focus surtout sur ma bague ou sur mes mains. Je pense que vous le voyez bien. Donc, voilà. Avec son petit nœud, est-ce qu'ils ont fait le détail du nœud? Ouais, ils ont essayé, mais il est un peu aplati. Il est un peu aplati, le nœud, là. Ah, voilà, le petit Jack. Donc, super. Deux top. Alors le troisième, le dernier pour aujourd'hui. Donc on récapitule ce que je veux. Donc du coup là ça sert à rien que j'enlève l'étiquette puisqu'en fait finalement ce que je veux sont plutôt vers là. Donc j'aimerais bien avoir Baymax, Wally, Eve on l'a eu, Stitch, Sally et Jack on l'a eu. Donc du coup il me reste Sally. Bon c'est sûr que je ne les aurai pas tous parce que derrière après il me reste... Alors attendez. Oh c'est possible. En fait, mes musts. Ah non, il y a le chat de Cheshire aussi. Donc, il y en a forcément un, de toute façon, que je n'aurai pas dans ceux que je veux avoir. Donc là, j'aimerais bien avoir le chat de Cheshire, Baymax, Wally, Stitch et Sally. Donc, on va voir ça. C'est parti. Déjà, il est gros le booster, plus gros que les autres. Donc, comme ça, gros, je dirais peut-être Wally, puisque c'est le seul qui a une forme un peu plus grosse que les autres. Donc c'est parti, de toute façon on va le voir tout de suite. Ah oui, c'est Wally. Ah, je suis trop contente. Voilà, ça c'est typiquement le genre de dessin animé que mes filles n'ont pas forcément
accroché énormément, mais après, c'est parce qu'elles n'ont pas regardé ça, ouais, comme elles n'ont pas trop l'habitude. Donc, je vais réessayer de leur faire regarder un jour quand j'aurai envie de le voir. Oh, il est trop chouette, avec les petits détails. J'essaye de vous montrer, mais voilà. Petits détails sur les roues, les petites pinces qui servent de main. Wally. Ah, il est génial. Bon, bah, ouverture au top. Donc, pour la prochaine ouverture, j'espère que j'aurai autant de chance. Zéro double et en plus, trois boosters, enfin, trois personnages que je voulais absolument. Donc, vraiment, ravi, ravi. Donc, voilà les petits loulous que j'ai eu aujourd'hui. Dites-moi lequel est votre préféré. C'est deux univers complètement différents. Moi, j'avoue que l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'aime énormément. Mais j'aime beaucoup aussi Wally. Donc là, c'est vrai que mon cœur balance. Mais dites-moi quel personnage vous préférez. Et je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!